Good afternoon and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. We are Monday, the 16th of November 2020. Good afternoon, Dudu Nicole. Hello, Diane. You have the headlines. Bonjour à tous, merci de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. À la une de l'actualité, veillez au bon encadrement des élections régionales du 6 décembre prochain et des fêtes de fin d'année au Cameroun, préoccupation au centre de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région. Ce lundi à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Attangandi, préside les travaux. Premier écho des assises dans le 12 heures. Synergies africaines contre le sida et les souffrances, 18 bougies ce 16 novembre 2020, occasion de saluer les actions humanitaires de la première dame Chantal Biya pour combattre la pandémie du siècle, vous le verrez dans le journal. Et puis en sport, Cameroun-Mozambique, rencontre à suivre dès 17h. Les Lions indomptables affrontent les Mambas dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN 2021. Ambiance dans la tanière à quelques heures du match avec nos envoyés spéciaux vers la fin de cette édition. Et voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Good afternoon once again and thanks for watching the midday bilingual newscast. And we open this newscast with the sports. You understand the Indomitable Lions are in Maputo in Mozambique and they will be playing against the Mambas of Mozambique in a return leg game to qualify for the 2022 AFCON to be hosted, of course, by Cameroon. Remember, the Lions thrashed their counterparts here in Cameroon. That was at the Reunification Stadium in Bepanda Douala by 4-1. What will be the outcome of the game to be played this afternoon at 6 p.m. local time? Our reporter is online. I can see him from Mozambique. Simon Leonga, what is the ambience in the Lions Den? Yes, good afternoon and welcome to Maputo, where we are going to be having day four of the qualifiers for the 2021 African Cup of Nations that will be taking place in 2022 out there in Cameroon. Match number four in Group F, the Indomitable Lions of Cameroon versus the Mambas of Mozambique, or say the Mambas of Mozambique versus the Indomitable Lions of Cameroon. At this juncture, as we are watching, the Indomitable Lions of Cameroon are moving out of the gym where they had the muscle relaxation session a while ago. They have just moved out and time for them to go to the restaurant where they are going to have the afternoon meal before the pre-match preparatory meeting that is going to be taking place in a short while. And of course, that is where everything is going to be set for the match this afternoon. To note that for now, the coach of the team, Antonio Conceição, is still to come out with his team that is going to play this evening. The reason is simple. The Federation of Football here in Mozambique is still to come out with all the results of COVID-19 tests that were done on the players of the Indomitable Lions of Cameroon out here. We must know and we must always know that this time around, with the pandemic that is still spreading, the Confederation of African Football gave a protocol for everything to follow out here. And so it is said that it is the host federation that carries out the final result, the final test of COVID-19 on the team that is visiting. And so for today, it is the Federation of Mozambique that carried out the test and the results are still being awaited. It is only after dusk that the coach of the team is going to make his list of players who are going to be ready or combat ready for the match this afternoon. And so for now, nothing is certain. Even the Mozambicans, nothing is certain about them. We are going to have an update and we are going to update our viewers on CRTV as time goes on. Simon Leonga alongside Jean-Baptiste Bachom in Maputo for CRTV.
Merci Simon Lyonga pour cette contribution aux 12 heures. Et nous restons avec nos envoyés spéciaux à Maputo, Cameroun, Mozambique. Donc, c'est cet après-midi à 17h, heure de Yaoundé. La bataille psychologique du match qui se dispute au stade de Zimpété a déjà commencé. Le pays hôte tarde à communiquer les tests de COVID-19 à son adversaire, ce qui retarde le choix du 11 entrant. Les Lions indomptables gardent leur sérénité. Retrouvons donc en direct de Maputo notre envoyé spécial Germain Noël Essengue. Bonjour Yaoundé, bienvenue ici à Radio Zone Blue. Je suis justement à l'entrée de la tour jumelle qui accueille les Lions indomptables ici qui vont jouer tout à l'heure à 18h contre les Mamba du Mozambique. Il faut dire que la guerre psychologique a véritablement déjà commencé ici au Mozambique. C'est la guerre entre le Cameroun et le Mozambique. Les tests Covid ne sont pas encore disponibles. La réglementation prévoit que la fédération hôte donne les résultats à la fédération qui arrive, mais jusqu'à pareille heure, pas encore de signal côté Mozambique. Heureusement, le Cameroun a prévu un plan B en réalisant dans deux laboratoires agréés des tests qui sont déjà disponibles pour la partie camerounaise. Les joueurs sont en train de sortir en ce moment donc de la salle de gymnastique pour un dernier stretching. On peut les apercevoir, le sourire est là, la sérénité est là, la détermination est également en place. Les Camerounais, malgré cette guerre psychologique, seront d'attaque pour jouer à fond cette rencontre. Le Cameroun est habitué à ce genre de manigances. Tout a commencé ici ce matin où la délégation camerounaise est pratiquement abandonnée par la délégation mozambicaine en termes d'appui logistique. Mais cela n'entame pas le moral des Camerounais qui restent forts et déterminés pour vaincre cette équipe mozambicaine comme cela est de coutume dans cette ville. Depuis le Radisson Blue, je signe Germain Noël Essengue, Jean-Baptiste Batchom, envoyé spécial. And we would just wish all the best to the indomitable Lions of Cameroon. We hope you come back with a victory here. And on to something else. For 3 days, cybersecurity experts will be on the implementation of a system of reference for higher education in electronic security in Cameroon, together with participants drawn from the post and telecommunications and higher education sectors. The workshop underway at the National Advanced School of Post and Telecommunications and the ICTs seeks to improve on the organization of higher education training in the country and also to harmonize the contents of programs offered. According to the Inspector General of Services at the Ministry of Post and Telecommunications, Ndongo Paul Petit, who represented the minister this morning, the overall objective is to come up with an electronic security reference in the country. Our reporters in the field will be giving you the details of this workshop in our subsequent editions. And from Yaoundé, we take you now to the southwest region of Cameroon, where some religious authorities in that part of the country have reiterated the need for peace and dialogue in the grassroots communities. This was during a workshop organized by the Cameroon Association for Interreligious Dialogue, ACADIR. Youth have also been urged to be peace ambassadors and portray the virtues of love, especially in the two English-speaking regions of our country, Cameroon. Tanjong Levis Agbo has the details from CRTV Southwest in Boya. From different religious denominations, they had one message, peace, and further brainstorming on concrete proposals and ways to propagate the culture of reconciliation in different grassroots communities in the southwest and northwest regions of the country. To the religious leaders, they are functioning in the concept of peace without losing their identities. Training peace ambassadors. We called youths, men, women together, and we trained them with the notion of disseminating the concept of peace at the level of the communities. ACADIR being more of interreligious, our intentions were to let this aspect of peace, which we badly needed within this period, especially within the regions like the southwest and northwest. Peace from distance cannot happen, so it was necessary for the religions to come together. Sitting as an interreligious association, they reiterated the role youths, women, and religious leaders play in projecting the culture of dialogue. They should not only be peacemakers in their houses alone or in their minds, but they should be peacemakers by the things they do and by the things they say.
The Cameroon Association for Interreligious Dialogue further presented different projects to change the mentalities of young leaders in the divisions and subdivisions of the Southwest region. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, il y a 18 ans, jour pour jour, l'organisation non gouvernementale Synergies africaines contre le sida et les souffrances a été portée sur les fonds baptismaux au palais des congrès de Yaoundé. C'était à l'initiative de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, qui convainquait ses sœurs premières dames d'Afrique de créer ces cadres de réflexion et d'action en vue de combattre le VIH-Sida en Afrique. Plusieurs fleurons de cette ONG existent et 18 ans après, Synergies africaines a le mérite d'exister. Évocation avec Joseph Clément Omba. Berceau de la naissance des synergies africaines, le palais des congrès de Yaoundé accueille les 15 et 16 novembre 2002 17 premières dames d'Afrique ou leurs représentantes. À l'initiative de l'épouse du chef de l'État, Mme Chantal Biya, elle pousse un cri d'alarme pour combattre le VIH-Sida en Afrique. 18 années après, l'initiative de Mme Chantal Biya résiste à l'usure du temps. C'est d'abord le vibrant hommage qu'il faut rendre à son Excellence Madame Chantal Biya, notre présidente fondatrice, la première dame du Cameroun. 18 ans d'activité, c'est beaucoup. Comme vous savez, Synergies africaines n'est pas simplement à vocation camerounaise. Synergies africaines couvre de nombreux pays d'Afrique. À ce jour, 29 premières dames d'Afrique ont signé ces statuts. Parmi les réalisations majeures, la décennie d'engagement autour de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Avec des séminaires organisés dans 6 pays africains, Cameroun, Burkina Faso, Guinée, Mali et Niger. Malgré le contexte difficile, Synergies africaines, comme cette opération Vacances en Sida, ne se détourne pas de son objectif premier, la pandémie du VIH. Le sujet Sida non seulement demeure pertinent, mais il demeure prioritaire. Nous prenons en compte l'environnement qui existe, mais la lutte contre le VIH continue. 18 années après, la seule preuve de l'existence des synergies africaines est une réussite. Tout le mérite revient à la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, qui a eu l'idée de créer Synergies africaines. Autre principale actualité ce jour, les mesures sécuritaires et le rôle des gouverneurs avant, pendant et après la session de plein droit au sein des conseils régionaux et les fêtes de fin d'année sont au centre de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs. Les travaux qui viennent de s'ouvrir à l'hôtel de ville de Yaoundé sont présidés par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Où en est-on avec cette ouverture? Nous tentons de joindre de ce pas notre reporter, Augustin Guizana. Bonjour. Bonjour Mbalade et bienvenue ici à l'hôtel des villes de Yaoundé où les travaux de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs au titre de l'année 2020 viennent de s'ouvrir. C'est le ministre de l'administration territoriale qui préside les travaux. Dès l'entame, Paul Atangandi a indiqué l'enjeu de cette rencontre. Il s'agit d'avoir un encadrement optimal pour les élections régionales avant, pendant et après cette période électorale. Il est aussi question de réfléchir sur les mesures à prendre, des mesures adéquates contre le coronavirus. Vous le savez, les établissements scolaires sont touchés. Eh bien, la préfectorale veut s'impliquer davantage dans la lutte contre le Covid-19. Et donc, les travaux on commençait ici avec une spécificité des exposés, entre autres du ministre de la décentralisation et du développement local. George Elanga Obam est attendu sur un exposé qui devra s'intéresser à la problématique, à l'encadrement de l'autorité administrative pour ce qui concerne les élections régionales. Il y a également présent le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, ainsi que le secrétaire d'État au ministère de la Défense en charge de la gendarmerie, Galax Yves Landry et Toga, qui devrait s'épancher sur les mesures sécuritaires à envisager ou celles qui sont déjà prises pour la sécurisation du processus électoral en cours. Les travaux vont donc durer deux jours et seront présidés, on l'a dit, par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi. En direct de l'hôtel des villes de Yaoundé, Augustin Guizana, pour le 12h.
Merci Augustin Guizana. Dans la suite du journal, les leaders et représentants des organisations de protection et de défense des droits et intérêts des consommateurs prennent part en ce moment même à un séminaire. Les travaux portent sur les exigences réglementaires et normatives en matière d'hygiène, d'exploitation et de commercialisation des eaux de consommation au Cameroun. L'atelier d'un jour se tient au centre Jean 23 de Mvolié à Yaoundé. D'autres détails sont à suivre, Madame, Monsieur, dans nos éditions futures. Diane Gassa, vous avez la suite du journal. Yes, Dudu Nicole, a capacity building workshop organized under the framework of the National Consumption Council, CONACO, on the regulatory and normative requirements of hygiene is ongoing here in Yaoundé. The objective is to protect consumers in the management of potable water. And at the end of the workshop, the members of the Association of Consumers are expected to have adequate information and practical knowledge on how to detect products that do not respect the norms of society, and they will give the proposals to the government. Our reporters will be giving you the details in our subsequent newscast. And we now take you to the north region of Cameroon, where some farmers in Garoua 3 subdivision of that part of the country are being schooled by experts from the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises on how to become skilled agro-pastoral entrepreneurs during a two-day workshop in Kismatari, organized within the framework of a project known as Sahel Water. The 72 participants will also be trained on how to diversify and increase agricultural production all year round. Tony Nanyongo has the details from CRTV North in Garoua. Agriculture is the main source of livelihood for the population of Kismatari in Garoua 3 subdivision. It is said that the farmers have the qualities of entrepreneurs but need support to explore their potential. Thus, the training workshop, which among others include lessons in leadership and confidence building. Our mission is to train actors about how to change their mindset, how to develop their project, how to be the big entrepreneur as in other regions. Besides agro-pastoral entrepreneurship, training for the 72 workshop participants also include techniques to increase production all year round. We want to give them education to leave poverty. The workshop has been organized within the framework of the project known as Sahel Water. This involves the construction of boreholes powered by solar energy. The overall objective is to develop agriculture and empower rural communities. And if you're just joining us, you're watching the Midday Newscast, and we are live from the production center here in Balatu. And as announced in one of our major stories, governors of the 10 regions of the country have begun meeting in Yaoundé today for their semester conference for 2020. The conference, which is being presided over by the Minister of Territorial Administration, is focusing on ensuring the security and safety of Cameroonians during the end of year festivities. We now try to join our reporter Ebenezer Kanga at the Yaoundé City Council, where the conference is holding, for the latest developments. Hello, Ebenezer. At the time you're handing over the microphone to me, the opening ceremony of the second semester conference of governors for 2020 has just ended here at the Yaoundé City Council. Deliberations are now continuing behind closed doors. The opening ceremony was presided over by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, in the presence of the Delegate General for National Security and the Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie. For 2 days, the governors will present reports on the health, security, socio-political and economic situation of their regions, and then receive directives from hierarchy on how to handle challenges facing them. The governors will also listen to presentations from the Minister of Decentralization and Local Development on the regional council elections, as well as the Delegate General for National Security and the Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie on security measures taken to safeguard the regional council elections. A particular attention will be paid to the northwest and southwest regions, where separatist terrorists are attacking schools with the evil intention of disrupting the academic year.
On the whole, the conference will map out strategies to, among other things, ensure a successful and COVID-19-free academic year, a successful organization of the regional council elections, and a hitch-free celebration of end-of-year festivities. I am Ebenezer Akanga, reporting from the Yaoundé City Council. Et nous voici en santé dans le 12 heures. L'association de lutte contre les déficiences auditives entame dès ce lundi une opération d'implant auditif à 5 enfants. L'opération va se dérouler à l'hôpital général de Yaoundé et à Douala. Sur la portée de cette initiative, notre reporter a rencontré un membre de l'ALDAC. Sa réaction dans ce reportage signé Étienne Pascal Azegue. L'association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun souhaite donner vie au son chez 5 jeunes patients. Nous allons pendant cette période sur les sites de Yaoundé et de Douala procéder à des interventions chirurgicales de pointe qui consisteront à implanter des implants dans l'oreille interne des enfants non entendants, permettant ainsi de leur restituer une audition qu'ils n'avaient pour la plupart jamais eue. La déficience auditive survient parfois à un très bas âge. Très souvent, ils sont discrets, ils n'obéissent pas aux ordres, ils sont parfois agités. Mais le maître mot qui va souvent nous conduire vers ce diagnostic, c'est que c'est les enfants qui ne vont pas parler. Parce qu'ils n'entendent pas. Donc les parents ne comprennent pas pourquoi un enfant a atteint l'âge de 2 ans, de 3 ans, et n'arrive pas à parler. Et très souvent, ces enfants arrivent chez nous par ce canal-là. C'est une aubaine qu'offre l'ALDAC à ces jeunes enfants de pouvoir enfin écouter le rire d'un ami ou la douce voix d'une mère. In this connection, we should avoid stigmatizing. Madame, Monsieur, vous suivez le 12 heures sur la CRTV. De votre attention, merci. À la suite du reportage de Étienne Pascal Azegué pour parler de déficience auditive, le professeur Alexis Ndiolo nous a rejoint dans ce studio. L'invité du journal répond en qualité de président de l'association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Nous sommes ravis de vous avoir dans ce studio. Et moi de même. Alors, l'ALDAC entame dès ce jour une opération de réhabilitation de l'audition à 5 jeunes patients souffrant de déficience auditive. Comment ça va se passer, ce processus d'implant à l'oreille, professeur? Alors, c'est une technique nouvelle, c'est une technique chirurgicale qui commence bien sûr par la préparation des malades. Il faut les préparer, il faut faire leur bilan, un bilan clinique, un bilan paraclinique, faire le scanner, faire les autres examens. Et à la fin de ce bilan, au décours de ce bilan, le patient peut être éligible ou non. Et quand il l'est, on le prend donc au bloc opératoire pour essayer de lui refaire son audition. Et pour la lui refaire, on utilise des techniques chirurgicales qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Ce sont des techniques bien précises. On utilise un microscope opératoire, on utilise des microprocesseurs qu'on introduit à l'intérieur de l'oreille interne, une petite électrode pour aller stimuler le nerf auditif, parce qu'il faut s'assurer que ce nerf fonctionne encore, parce qu'il y a des surdités où ce nerf ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous faisons des bilans avant l'opération. Alors si ce nerf fonctionne, on introduit une petite électrode au fin fond de l'oreille interne, et cette électrode est reliée à l'extérieur par un récepteur. C'est ce récepteur qui va capter les sons et qui va les envoyer vers l'oreille interne, qui va les amplifier. Après l'intervention maintenant, il s'agit de rééduquer ce malade. Parce qu'il faut le dire, le malade ne va pas écouter les sons comme vous et moi. Ce sont des sons qui vont être, je veux dire, ça ne sera pas des sons naturels, mais ça sera des sons maquillés et qu'on devra restituer et réhabiliter chez le malade. Alors, professeur, est-ce que cette opération est gratuite? Elle ne saurait être gratuite, vous comprenez bien. Opérer sous microscope opératoire,
utiliser des experts en microchirurgie de l'oreille, utiliser des électrodes qui sont fabriquées dans des grandes firmes de ce monde, cette opération ne saurait être gratuite. Pour vous donner une idée, l'implant cochléaire, à l'heure actuelle, coûte l'équivalent de nos 12 millions de francs CFA. Donc, ces implants ne sont pas à la portée de tous les patients dans notre pays. Alors, ce que nous faisons, bien sûr, puisque ce n'est pas gratuit, l'ALDAC essaie de mettre les gens ensemble, les professionnels de santé, les familles, les partenaires et même les mécènes, pour essayer de rendre accessible ce type d'intervention aux malades, surtout aux plus démunis. Alors, professeur, c'est une action humanitaire qui est à saluer. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour accompagner l'ALDAC, l'Association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun ? Alors, ce que le gouvernement peut faire, il le fait déjà, mais il peut faire davantage. Ce que le gouvernement a déjà fait, c'est de nous faciliter l'acquisition de ce matériel. Nous avons reçu des dons du Danemark, des dons d'une valeur d'à peu près 100 millions de francs CFA, c'est déjà beaucoup. Le gouvernement nous a aidé à les avoir, à diminuer le coût de la douane. Ça, c'est déjà très bien. Mais ce que je pense également, c'est que le gouvernement devrait nous aider à construire dans notre pays des blocs opératoires de qualité, des blocs pouvant abriter ce type de chirurgie et qu'on ne ferait pas seulement lors des campagnes, mais qu'on pourrait faire tous les jours et au quotidien. Et également, je pense à long terme, pour ce type de pathologie et même pour tous les malades, il faudrait dans ce pays qu'on ait ce qu'on appelle l'assurance maladie. Okay. Merci, professeur Alexis Ndiolo, pour ses explications sur cette opération de réhabilitation de l'audition à 5 jeunes patients souffrant de déficiences auditives. Revenez-nous quand vous le voulez bien sur la CRTV pour d'autres explications. Merci. Très belle journée à vous. Dans la suite du 12h, parlons du jubilé d'argent du mouvement Prière des Mères, cette association religieuse de renommée internationale qui se préoccupe du bien-être des enfants, célébrait hier son 25e anniversaire en la cathédrale Notre-Dame des victoires de Yaoundé. Les mères sont venues en grand nombre vivre ce moment. C'était en présence du clergé. Le reportage de Salomé Ntsama Ouna. Jour de consécration du mouvement Prière des Mères à la Vierge Marie, jour du 25e anniversaire de ce mouvement qui se dévoue à prier au quotidien pour tous les enfants et la conversion du monde. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, les mères venues de tous bords ont reçu la bénédiction de leur père spirituel, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Et le vicaire général du dit archidiocèse demande aux mères de poursuivre l'œuvre divine. Prier pour le Cameroun en tant que nation, parce que nul n'ignore ce qui s'y passe aujourd'hui. Le mouvement Prière des Mères est répandu dans 127 pays. La célébration de son jubilé d'argent au Cameroun était également marquée par une série d'activités. On a eu une conférence sur le pardon, le travail de la mère sur elle-même. Parce que très souvent, les mamans sont fâchées des enfants et ne savent pas que la simple colère de plus d'une heure de temps bloque la vie de ses enfants. Des moments de partage, de joie et de paix pour la gloire du Seigneur. Un clin d'œil au peuple balin dans la région de l'Ouest Cameroun avant de nous séparer. Voici un pan de l'histoire de leur migration et des explications sur le sens de leur danse traditionnelle. C'est un reportage de Merveille Lobogo. Les balins sont un peuple originaire de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun. C'est une population dont les origines sont liées au peuple Tikar. Pour des raisons de chasse, ils ont occupé le pays Bamoun. Attaqués par ces derniers vers le 15e siècle, ils vont traverser le fleuve Noun pour l'emplacement actuel. La danse pratiquée lors des obsèques, funérailles et manifestations culturelles est le Fénéou. Cette danse a pour but d'informer le public des environs de la disparition d'un fils, d'une fille du village. Et avec cette danse aussi, on rend hommage à le ou la disparue. Au rythme ordonné par les tam-tams, chants et cascagnettes, les danseurs balancent leur corps et baladent leurs mains pour exprimer leur tristesse. Cette danse a 3 ou 4 étapes selon le genre de personnes
qu'on est en train de célébrer. S'il s'agit d'une femme, cette danse a 4 étapes. S'il s'agit d'un homme, cette danse a 3 étapes. La première étape, c'est la compassion. La deuxième étape, deuxième chant, c'est maintenant l'assistance. La troisième étape, on sait déjà que oui, le mort, il est enterré, la vie reprend. Les autres accessoires sont la queue de cheval, les parures d'ornement traditionnels, les peaux de bête et bien d'autres. Les épouses des fils de la condition portent sur la tête des corbeilles pour montrer au public que c'est dans ces corbeilles-là qu'elles rendaient visite à la maman, à la disparue. Quand il s'agit d'un homme, on porte des soupières, des grosses assiettes pour montrer au public que c'est dans cette assiette qu'ils préparaient la nourriture de leur mari. Une culture qui mérite vivement d'être pérennisée par les descendants et futures générations. Beautiful culture of Cameroon, and there we were just coming back from the West region, and it's with those beautiful images we draw the curtains on the first edition of the Midday Newscast this week. Thanks so much for your kind attention. Nicole Doudou and myself will be back tomorrow to serve you with the same pleasure as usual. Nicole Doudou, do have a beautiful day ahead. Très belle journée, Diane Gassin. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. À demain, 12h. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. TV News, ici, toute l'info.